Que dire de la tendance haussière des produits agricoles de la période allant du 10 au 17 juillet 2021? Justement, nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom et Collègues. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous reviendrons aussi sur le taux de change et par après, nous verrons les différents rendez-vous de la semaine que nous amène Adassa Grasse dans la rubrique Agenda. Bien sûr, nous aurons aussi à voir une autre analyse dans la rubrique Chronique. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Nouvelles en bref d'aujourd'hui débuteront avec cette information qui parle de l'autorité de régulation du marché public qui a présenté ce lundi 12 juillet 2021 son rapport sur les audits des marchés publics pour l'exercice 2014, 2015 et 2016. Selon les résultats de ces audits, réalisés par le cabinet érudit FCG, ACR, sur un échantillon de 434 marchés publics, les conclusions sont alarmantes. 30% des marchés sont moyennement satisfaisants, 12% de marchés sont d'une performance non satisfaisante et 58% de marchés sont ceux pour lesquels le cabinet n'a pas émis d'opinion pour des raisons de carence documentaire. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci du ministre d'État, ministre du Budget qui tient à en finir avec le problème des agents et fonctionnaires fictifs repris chaque mois dans le fichier de la paye. Une situation qui entraîne la perte de plusieurs millions de francs congolais du trésor public. Pour y arriver, une importante réunion avec la délégation du comité de suivi de la paye, conduite par le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire. Poursuivant ces nouvelles en bref, en parlant du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, qui réaffirme la détermination du gouvernement congolais à obtenir la baisse des prix des produits surgelés sur le marché. Objectif, améliorer les conditions de vie de la population. Au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 12 juillet 2021 à Kinshasa, Patrick Muyaya a passé en revue quelques questions d'actualité en République démocratique du Congo. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Les produits agricoles et menus forestiers, tels que le café arabica et le cacao, connaîtront une légère baisse des prix sur le marché international pour la période du 12 au 17 juillet 2021 par rapport à la tendance observée du 5 au 2 juillet 2021, renseigne la Commission nationale des mercuriales des prix du ministère du Commerce extérieur. D'après un communiqué de cette structure technique, le kilogramme du café arabica se vendra à 249 $ au cours de la semaine. Une tendance en baisse de 0,13% comparativement au prix de 2,62 $ par kilogramme appliqué la semaine du 5 au 2 juillet 2021. Que savoir sur le taux du jour? Benita Mouini sera au rendez-vous aujourd'hui pour le compte des chiffres clés. Elle nous apportera plus de précisions. Mais elle reviendra aussi pour nous parler de la tendance haussière des produits agricoles de la période allant du 10 au 17 juillet 2021. Suivez. Benita Mouini, une fois de plus, vous nous apportez les chiffres clés. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci Judith. Alors, de quoi il s'agira plus précisément aujourd'hui pour le compte des chiffres clés? Aujourd'hui, dans chiffres clés, nous allons parler de la tendance haussière de produits agricoles allant de la période du 10 au 17 juillet 2021. Mais avant, parlons tout d'abord du cours de change actuel en République démocratique du Congo, avec la Banque centrale qui change 1 $ à 1988 francs congolais, 1 franc CFA à 3,67 centimes et 1 € à 2413 francs congolais. En ce qui concerne le marché parallèle, il s'agira de la commune de Lingwala, où 1 $ s'échange à 2000 francs, 1 franc CFA à 3,61 centimes et 1 € à 2412 francs congolais. Alors Benita, dites-nous qu'est-ce que nous devons retenir sur les produits forestiers allant de la période du 10 au 17 juillet 2021. Concernant le produit forestier allant de la période du 10 au 17 juillet 2021, le prix moyen du café Robusta varie entre 1,67 $ et 1,69 $ le kilo, d'où une tendance haussière. Par contre, le café Arabica est passé de 2,62 $ à 2,49 $, une baisse de 0,13%. Mais qu'est-ce que l'on doit dire alors du cacao et du caoutchouc? Le cacao affiche également une tendance baissière. Il tombe de 1,34 $ à 1,23 $.
une stabilité du côté du caoutchouc dont le prix moyen est de 83 $ américains. Et pour finir, qu'est-ce que l'on doit comprendre sur d'autres produits forestiers encore? La papaïne a enregistré une tendance haussière. Le gramme est passé de 14,76 € à 14,94 €. L'écorce des quinquinas observe une tendance haussière. Le kilo est passé de 1,72 € à 1,74 €. De même pour la poudre de totakina qui se négocie actuellement à 51 €. Pour la poudre de quinine, le kilo est passé de 85 € à 86 €. Et pour finir, le roolfa, dont le kilo est passé de 1,43 € à 1,45 € sur le marché international. Merci beaucoup Benita de toujours nous mettre à jour sur l'évolution des courbes économiques. Nous espérons vous revoir prochainement avec d'autres informations. Merci Judith. Le dossier du jour, c'est avec Judith Unamaka qui nous ramène aujourd'hui une toute autre thématique que nous allons découvrir le contenu tous ensemble. Après ceci. Unamaka, nous vous recevons une fois de plus sur ce plateau pour le compte du dossier. Déjà pour commencer, on aimerait savoir de quoi il s'agira. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de financement du projet dans le secteur agricole depuis les 6 premiers mois de l'année 2021. Il faudrait savoir que les projets agricoles sont quasiment à l'arrêt dans le pays. Depuis le début de l'année, ni le gouvernement congolais sur fond des ressources propres, ni les partenaires extérieurs n'ont financé les projets agricoles. Et un paradoxe qui est d'ailleurs inexplicable, étant donné que la RDC veut réduire ses factures d'importation, notamment dans l'importation des produits alimentaires de base. Okay. Et en allant plus loin dans les chiffres dont nous renseignent les états de suivi budgétaire, il était prévu une somme de 24 milliards de francs congolais qui était destinée aux investissements de ressources propres du gouvernement pour financer le projet agricole. Et rien n'a été décaissé jusque-là. Et autant dire que le gouvernement n'a eu à débourser aucun montant pour soutenir le projet agricole en République démocratique du Congo. Il en est de même pour les partenaires extérieurs. Sur les 45 milliards de francs congolais qui devraient être décaissés sur la rubrique d'investissement, sur les ressources extérieures, aucun dollar n'a été déboursé non plus pour le projet agricole. À vous entendre dire, le ministère de l'Agriculture n'a pas du tout été financé pendant les 6 premiers mois de l'année, mais on doit quand même le dire qu'il y a quand même eu des fonds qui ont été décaissés pour le ministère de l'Agriculture. Alors, qu'est-ce que l'on doit dire sur la quasi-totalité de ces fonds? Alors, sur la quasi-totalité des fonds décaissés pour le ministère de l'Agriculture, elles n'ont servi qu'aux rémunérations à hauteur de 23 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 23,27 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 101%. Okay. Pourtant, le ministère de l'Agriculture veut mettre tout en œuvre, tout son secteur, pour que ça redevienne encore un secteur exploitable en développant des emplois ainsi que de nombreuses richesses. Okay. En rappel, la RDC exporte 95% des produits primaires et moins de 5% des produits manufacturés, alors que ses principales importations comprennent au moins 70% des produits manufacturés et 25% des produits de première nécessité. Ok, et donc le gouvernement devrait quand même envisager faire quelque chose pour ce secteur qui est tant négligé. Effectivement, le gouvernement devrait mettre des dispositions pour baisser le coût des importations, même le secteur agricole, en décaissant des fonds pour de nombreux projets en gestation dans ce ministère aujourd'hui tant négligé, mais qui pourrait offrir à nos opérateurs locaux de nombreuses possibilités d'être développés. Merci beaucoup, Unamaka. Retrouvons-nous prochainement pour un autre dossier. Merci beaucoup, Piombo. Prenons cette fois-ci cet élément qui parle de la présidente de l'ONGD, Accordep, Safi Kazadi, qui a lancé en présence de plusieurs délégués du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, du Genre et Famille, ainsi que de la population de Maluku. C'est la semence du maïs JKK, variété 981, avec but d'offrir les emplois et réduire la pauvreté en République démocratique du Congo. Ce lancement a eu lieu le 10 juillet 2021 à Minkaou, dans la commune de Maluku, sur une étendue de 70 hectares. Suivez. La base et la force d'un pays, c'est l'agriculture. Et le maïs variété JKK 981 est parmi nos produits de base. Notre but ici, notre objectif en venant ici, on est venu avec l'objectif, c'est avoir d'abord
un esprit de travail. Et de cet esprit de travail, c'est cela qui va nous conduire maintenant à atteindre nos objectifs, atteindre la production. La production, cette production-là, le travail des champs, c'est de là que nous allons sortir. Sortir de quoi? D'abord, un, de notre mental, de sortir de la pauvreté. On est pauvre. Ce que nous poursuivons, c'est que nous voulions aussi développer, développement durable, transformer le pays par le travail. Nous allons atteindre notre objectif et l'objectif, c'est la production. De la production, qui dit production, dit argent. Avec ce qui est tenté d'être démarré à Menkao, non seulement à Menkao, mais dans toutes les autres provinces, nous pensons qu'avec ce nouvel élan, il y aura quelque chose de bien qui pourra remonter l'économie de notre pays. Nous sommes venus pour voir ce qui se passe, expérimenter la variété, aller jusqu'au bout et voir ce que cette nouvelle semence va nous apporter ici à la RDC. Surtout que le maïs, c'est notre aliment de base. Place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui aujourd'hui nous ramène une toute autre analyse. Nous allons découvrir aussi le contenu de cette chronique ensemble avec lui. Suivez. Bonjour. Depuis quelques mois, il s'observe une certaine stabilité de la monnaie. Et bien entendu, c'est les résultats des efforts accomplis par la Banque centrale du Congo à travers une série de mesures mises en place pour maintenir la stabilité de la monnaie. Quelles recettes la Banque centrale du Congo utilise pour justement parvenir à la stabilité de la monnaie? D'après le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire, Jean-Louis Kayembe, la stabilité d'une monnaie se fonde sur un certain nombre de paramètres économiques qu'il faille bien respecter. La Banque centrale ayant comme un des rôles importants, celui d'obtenir la stabilité intérieure et extérieure de la monnaie. Il s'ensuit donc que la Banque centrale du Congo reste vigilante sur certains instruments qui sont mis en place pour la stabilité de la monnaie. On en distingue donc sept mesures particulières à la base du succès observé depuis quelques mois à travers la stabilité de la monnaie. Premier instrument surveillé, la quantité de la monnaie en circulation. Monsieur Kayembe explique qu'il y a un lien étroit entre la quantité de la monnaie et l'augmentation de prix. Plus il y a la monnaie en circulation, plus cela va entraîner la hausse de prix. Solution, il faut mettre en circulation la quantité de monnaie qui soit compatible avec l'activité. Il ne faut donc pas qu'il y ait un excès de monnaie au risque que cela entraîne de l'inflation. L'offre de la monnaie doit correspondre à la demande, explique M. Kayembe. Le deuxième paramètre concerne le fait que les exportations sont aujourd'hui plus élevées que les importations. Cela entraîne une couverture au-delà de 100%. Les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo sont donc confortées et la balance commerciale est excédentaire avec un montant avoisinant 1,4 milliard de dollars américains. Troisième solution, c'est l'achat des devises. Il est indiqué qu'au mois de mai 2021, la Banque centrale du Congo a pu acheter plus de 668 millions de devises sans appui à la balance de paiement. Quatrième solution, justement, c'est les appuis à la balance du paiement. À ce niveau, le gouvernement congolais met les bouchées doubles pour finaliser le programme avec le Fonds monétaire international qui vise 1,5 milliard de dollars américains au titre de facilité élargie de crédit. Cinquième recette, il s'agit bien de l'absence de choc exogène. Sixième instrument, il s'agit du pacte de stabilité signé entre le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo qui porte de plus en plus de fruits. Et enfin, la septième solution ayant contribué à la stabilité de la monnaie, c'est bien entendu la tendance haussière de certains métaux. Il s'agit là d'un soutien majeur à l'économie congolaise, dès lors que le cuivre ou encore le cobalt n'ont pas baissé de prix au grand bonheur du trésor public. Merci de nous avoir suivis.
jours à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Avec Naomi Kandé, nous allons faire le marché ensemble. Aujourd'hui, nous allons découvrir les prix des loyers, des maisons ainsi que des appartements retrouvés ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Gombe et de Lingwala. Bienvenue. Il est devenu plus difficile de se trouver une maison ou un appartement de location à Kinshasa. Pour ces nouveaux numéros, nos caméras se sont dirigées vers les communes de Lingwala et Gombe pour vous donner un aperçu de prix des différentes maisons et appartements de location. Sans plus tarder, Zoom Wendy, c'est tout de suite. Commençons avec les appartements de la commune de la Gombe, où l'on trouve un appartement qui est constitué d'une chambre, d'un salon et douche. Cela revient à $500 et $600 le mois. Un appartement d'une chambre, salon et d'une salle de bain, le prix est fixé à $800 avec meubles. Pour ceux qui préfèrent des appartements avec balcon, une chambre, salon, douche, déjà meublé, cela revient à $1000 le mois. Un studio composé d'un salon, chambre et salle de bain coûte $300 avec une garantie de 8 mois. Un studio d'une chambre, salon, douche et cuisine revient à $500 le mois avec une garantie de 10 mois. Une maison composée d'un salon, chambre, douche à Lingwala revient à $500. Pour une maison de deux chambres, salon, douche, cuisine coûte $1000 par mois avec une garantie de 8 mois. Les appartements dans la commune de Lingwala d'une chambre, salon et une douche coûtent $550 le mois. Pour ceux de deux chambres, un salon et une douche revient à $500. Une maison de trois chambres, salon, douche coûte $600 dans la commune de Lingwala. Ceux de deux chambres, salon, cuisine et salle de bain revient à $1000. Une maison d'une chambre salon douche coûte $600. Terminons avec un studio d'une chambre salon à $120 par mois avec une garantie de 8 mois. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis dans Zoom Wendy. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Notons à présent les rendez-vous de la semaine que nous apporte Adassa Grasse dans la rubrique Agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Les réseaux des ingénieurs agronomes pour le développement durable organisent une formation sur le management de projet. Elle débutera du 18 au 24 juillet 2021, de 9h à 13h pour la première vacation et de 14h à 17h pour la deuxième vacation. Les droits de participation se fixent à $100. Et notre rendez-vous, il s'agit d'une formation des entrepreneurs qui commencera du 19 au 23 juillet 2021 avec comme module des pratiques l'élaboration du business plan, plan marketing et stratégie de recherche de financement. Elle n'est pas gratuite. Les frais de participation se fixent à $50 et $30 pour les étudiants. Pour finir, signalons que la faculté de communication sociale organise à son tour un atelier sur les métiers de la communication. L'atelier aura lieu le 20 juillet 2021 de 12h à 13h45 avec comme thème la réflexion des enjeux sociaux professionnels en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 va aujourd'hui à la rencontre d'une femme maraîchère qui partage son expérience et qui parle aussi de ses difficultés et les difficultés bien sûr qu'elle rencontre dans l'exercice de son travail. Suivez. Salabilanga, pona tangi sabana, kolia yabana, kolata yabana, makambunyoso, ezaka na bilanga. Po bilanga eza mutu ya train. Yango ezo pesa biso makasi na kosala bilanga. Akonsi eza 10 ans.
na sali bilanga na bandi na labour na sali ers ale na yekolona nguba na longoli nguba na tie billion billion na loni manioko na loni madesu yango biloko tolona. Tracteur de loua, parce que loué ma belle, ou loué un hectare, ou pèse 100 000. Tracteur à Gossala, 120. Tout le loué de Nguana. Tout le ma coquille, ou Gossala, 1 hectare, 2 hectares, tout le ma coquille, 2 000, 1 quart, tout le monde de Nguana. Bagaté, ça na sala kaka yango ana ya kotangisa bana kolia na bango kolata. Soko sali to kolia te e mususu ke yiba, okomi ko tuta na mabako ba komi ko finga yo. Ebongi o sala mutoke bimi po ole ole si bana. Mobali passé, peli zate ke otika kaka charge non se fam bali. Ke mobali azwa ka charge na yo ezate mkonja mboka abongisela biso kaka kolia na biso po biloko eza share vie eza passe yango tozo bunda buna na msala bilanga oyo soki vie ezala kibia mbele tokosala misala ote. Amenant au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir de passer ce petit bout de temps à vos côtés en parlant bien sûr de l'économie. Le rendez-vous, c'est au prochain numéro. Au revoir et à très vite.